Good morgen, allez, Iden Netsusra, aujourd'hui, le Loïnish Matabamand de Rabbin Israël, Veni Dvora Bat Esther, Rosette Zohar Bat Sultana et Maurice Moshe Ben Sultana et Moshe Michael Ben Machla Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Yevamot, Perektet Vav, Mishnah Zain, Amra Met Baali, Vachakach Met Rami, Tinase, Vekitol Oktubata, Vachamota, Asura. Aïta Bat Israël, la Kohen, Tochal Biturma, Divre Btarfon. Qui va Omer, Enzo Derech Mutsiata, Amide Avera, et je m'arrête là pour le moment, parce que la fin est un peu longue, c'est dommage de la lire tout dans le bloc. On commence déjà à expliquer la première partie. On continue à parler de la femme qui, que la Khachami m'ont donné une dérogation spéciale. Je rappelle le principe, Bezrat Hashem, que pour pouvoir, en théorie, pour faire bouger les choses dans la Torah, il faut deux témoins. Sans deux témoins, rien ne bouge. Comme on a pour apporter plusieurs exemples, donc, selon ce principe, s'il y a une femme qui est partie à l'étranger avec son mari, et elle revient, elle nous dit, le bateau, il a coulé, son mari, elle l'a vu flotter dans l'eau, il est mort. En théorie, il faudrait deux témoins, s'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas la remarier. Seulement, Chachamim, ils ont bien prévu la situation bloquée, ouais. Et du coup, ils ont donné une dérogation, des dérogations en fait, pour pouvoir permettre une femme, deux choses, elle est crue sur elle-même, d'une part, et deuxièmement, un témoin aussi, et même un témoin qui n'est pas cacher en général pour d'autres sujets, il est cru ici, d'accord, Ramim, on toléré ça, avec toutes sortes de lachotes comme ça on a déjà vu. Maintenant, on avait vu aussi qu'une femme, elle n'est pas crue sur certaines personnes. Il y avait, je crois, 5 femmes au total. On a dit Ramota, Batramota, Tsarata, Veyimta, ou Batbala. Il y avait 5 femmes exactement. On avait 5 femmes elles sont sans arrêt en rivalité, même si, en apparence, ça a l'air d'aller, mais en réalité, il y a un certain germe de haine entre elles, très délicat comme situation, et elles peuvent avoir facilement une tendance à vouloir faire que l'une va faire des avérotes à cause de l'autre. On avait évoqué, en l'occurrence, on va voir dans notre Mishnah, par exemple, la situation de la belle-mère. Comme on a dit, la belle-mère, elle haït la belle-fille, naturellement. Et la belle-fille, du coup, elle a une dent contre la belle-mère parce qu'elle l'agresse. Comme il dit le pasouk de Michelet, vous connaissez sûrement ça, « Kemaïm apanim lapanim, ken eleva adam le re'e ou ken eleva adam la adam. » Autant que lorsque je me vois dans le reflet de l'eau, mon visage, c'est ce que je me vois. La même chose, le cœur d'un homme pour un autre. Si je suis souriant dans mon cœur, il sera souriant. Et si j'ai de la haine, il va la ressentir, il va me retourner de la haine aussi. D'accord? C'est le principe. Donc du coup, maintenant, Michel commence à me dire. Amra met Baali, vachakach met Rami. On parle d'une femme qu'elle est partie à elle. Elle, avec son mari, et même aussi avec son beau-père. Ils sont partis tous les trois ensemble en Medinat Hayam. Ils sont partis faire des affaires. Ensemble, elle l'accompagnait son mari, le père et le fils, ils étaient ensemble. Et elle revient et nous dit, ouais, catastrophe. Son mari et son beau-père, les deux sont morts. Eh bien, la Mishnah, le même principe, comme on a déjà vu, Tinase Vetitol Oktubata, elle est crue pour témoigner pour elle-même. Elle pourra se remarier et même prendre sa touba, comme on avait vu. Par contre, Vechamota Asura, mais la belle-mère, elle est interdite. Elle ne pourra pas se remarier avec personne d'autre pour le moment, parce que la belle-fille n'est pas crue pour la belle-mère. Elle n'a pas un statut du témoin qui est cru, d'accord? Maintenant, Aitabat Israël, la Kohen, Tochal Batruma, Divrei Rabbi Tarfon. Si toutefois, maintenant, la belle-mère, c'était une Bat Israël, mariée à un Kohen, c'est-à-dire le beau-père, il était un Kohen, il n'était pas son princesse, il est pour le moment, on ne sait pas ce qui devient de lui, la belle-fille, elle arrive et nous dit, ouais, le beau-père, il est mort, et bien la mère, elle pourra même continuer à manger de la trauma, parce que pour le moment, elle était Bechazaka, qu'elle a le droit de manger de la trauma, elle continue sur sa Chazaka, puisque la belle-fille n'est pas crue sur elle-même, alors, c'est nul et non avenu tout ce qu'elle peut nous raconter, qu'il est peut-être mort, on va rien craindre, au même titre que si elle savait rien, elle avait le droit de continuer à manger de la trauma. Parce que, même si elle est bâtie Israël, mais tant qu'elle est marocaine, elle a le droit de manger la trauma, eh ben, elle n'a pas à s'intéresser aux propos de la belle-fille, et donc elle continue à manger aussi. Ok, ça c'est la vie de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Enzo Drech Motziata Mida Avera. Rabbi Akiva nous dit, c'est pas une manière, c'est pas de la sorte qu'on se dispense de transgresser un interdit, étant donné qu'il est peut-être mort, donc il vaut mieux quand même la croire, au moins partiellement, la Chumra. Donc du coup, la belle-mère, elle ne pourra pas se marier, mais elle ne pourra plus manger la trauma, parce que peut-être que son mari, il est mort. D'accord? Maintenant, on va entrer dans un nouveau sujet. On a 3 cas de figure dans la Mishnah. C'est exactement le même principe qui revient.
le même principe. Le cas, il est différent. Mais le... Alors, de quoi on parle maintenant? Kidesh, je commence à lire. On a tout d'abord Kidesh Achat Mechamesh Nashim Ve'en Yadua Eizo Kidesh. Kol Achat Omeret Oti Kidesh Noten Get Le Kol Achat Ve'achat Maniach Tuba Benem O Mistalek Divre Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omer Enzo Derech Monsiato Mide Avera Achiten Ktuba Get Ve'ktuba Le Kol Achat Ve'achat. Et après, on a encore, je vous avais dit trois sujets, il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Il y a Gazal Echad Mechamisha Ve'en Yadua Eze Gazal Kol Echad Omer Oti Gazal Maniach Gazal Benem O Mistalek Divrei Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omer Enzo Derech Monsiato Mide Avera Achishalem Gazal Le Kol Echad Ve'achat. Deux situations où on se retrouve que, en fait, le principe il est comme ça. Je sais que je dois de l'argent à une de ces cinq personnes, mais je ne sais pas laquelle. Chacun réclame que c'est à lui que je lui dois. Qu'est-ce que je fais dans une situation pareille? Bari et Shema, ça s'appelle en Torah. Lui, il est Bari, et toi, c'est à moi que tu me le dois. Et moi, je suis Shema, peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas si c'est toi, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que maintenant, le simple fait que... Je reconnais que j'ai une dette envers quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Mais chacun qui va venir... Chacun de ces cinq personnes qui va venir, qui va me dire, c'est à moi que tu dois, je devrais le lui donner. Je devrais le payer, donc je vais payer à 5 ans. Étant donné que moi, je ne sais pas répondre. Lui, moi je suis sûr que j'avais un chiouf. Je ne sais pas envers qui. Lui, il prétend que c'est lui. Je ne peux pas le contredire. Je dois lui payer. Ou pas. Il y a deux cas de figure qui sont présentés dans la Mishnah. Le premier, c'est que Kidesh Achat Mechamesh Nashim. On parle d'un homme qui a marié une des cinq femmes. Il sait qu'il y avait là-bas. Cinq femmes, ouais, dans une, je sais pas, peu importe où, et il est parti donner des kiddushin à l'une des cinq. Une précise, d'accord? Machla, Noa, Chogla, Milka, Vetirza, par exemple, les cinq filles de Notzlofrat, par exemple. Il est parti en a marié une, mais c'est pas laquelle. Il se souvient plus laquelle. Kolachat omeret oti kiddush, chacune a dit, c'est moi que tu t'es marié avec moi. Et il n'est pas capable de dire, elles se sont tellement, elles ont juste... 9 mois d'écart chacune, elles se ressemblent beaucoup, il ne sait pas les reconnaître. Et chacune, elle prétend que c'est elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Tout d'abord, noten get le kol achat v'achat, il devra donner un get à chacune d'entre elles. Parce que chacune d'entre elles qui prétend qu'elle doit se marier, lui, il ne peut pas le dire, il est obligé de leur donner un get à chacune qui réclame un get. Parce que c'est peut-être elle qui l'a mariée. Il ne pourra pas non plus. Non, ça, c'est pour le moment, on ne va pas rajouter de mots. Au manière Ktuba, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Ktuba? Quand je me suis marié avec une femme, si elle a divorcé, je dois lui donner la Ktuba. Là, maintenant, j'en ai cinq. Enfin, une de cinq plutôt, mais je ne sais pas laquelle. Donc, je dois donner aussi une Ktuba. À qui je la donne? Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, hein, la Mishnah me dit littéralement, je mets la Ktuba. Ou manière Ktuba, benem, ou misalek. Je pose la Ktuba, genre, je leur dois maintenant 10 000 shekels, je pose les 10 000 par terre et je me retire. Genre, elles vont venir comme des pigeons quand on leur jette une tronche de pain. Il y en a 15 qui viennent. Apparemment, c'est ce que la Mishnah me dit. Tu mets l'argent entre elles et qu'elles se débrouillent. En réalité, c'est pas vrai. On fait pas de choses pareilles, ça va pas, non, elles vont pas s'arracher les cheveux, les yeux, les oreilles, le nez. Mais quoi? On a quelque chose de plus simple. C'est qu'en fait, on va le donner au Beddin. On va lui dire, écoute, quand tu veux éclaircir à qui c'était. Pour le moment, moi, je donne le guet aux cinq femmes. Mais il n'y en a qu'une seule qui était réellement la mienne. Moi, je dois celle à qui était réellement mariée, je lui dois cet argent. Je le mets au Beddin, je dis au Beddin, vas-y, faites votre travail, éclaircissez. Le Beddin. C'est pas des prophètes, ils vont peut-être questionner, ils vont voir qu'ils vont aboutir à rien. Et bien du coup, on va garder cet argent jusqu'à que Eliyahu HaNavi va venir, et va nous dire qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. D'accord? Donc c'est ça ce que la Mishnah nous a dit, qui met le guet, elle met la Ktuba entre elles, et il se retire, c'est-à-dire il la met entre elles au Bet Din, et il se retire. Ça c'est la vie de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Enzo Drech Motsiato Midavera, c'est pas comme ça qu'on s'acquitte de son devoir. Jusqu'à qu'il donne réellement un get et une ktuba à chacune d'entre elles. Il devra payer, combien on a dit qu'il a payé 10 000 pour chacune, eh bien, il devra payer 50 000. Il paye à chacune, maintenant que chacune en réclame, il devra considérer ses propos, puisque moi je reconnais que je dois une tête, c'est elle, et elle me réclame, je dois lui donner. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. D'accord? La Mishnah précise, parce qu'en fait il a fait une certaine erreur de se marier, de ne pas se souvenir de ce qui sa femme. Parce qu'il est fautif en fait. On cherche à... C'est pas... C'est en théorie, en fait, la Gemara explique. Aussi, je ne sais pas à qui je dois réellement, il n'y a pas de dîme que je vais payer à chacun dans le doute. Mais le fait de ne pas savoir à qui tu dois alors que tu devais savoir, alors là, tu as une responsabilité, et dans ce cas-là, la responsabilité de payer à chacun. Autre situation encore, même idée. Gazal echad mechamesh mechamisha ven yadua eze gazal. J'ai volé de l'une des cinq personnes, j'ai volé sans shekel,
Mais Vegnadoam, mes examens, je ne sais plus de qui j'ai volé. Ça peut être parce qu'il y avait 5 vestes qui étaient accrochées au porte-manteau. Et parmi les 5 vestes, j'ai mis ma main dans une poche. J'ai tiré. Parmi les 5, donc j'ai pris, j'ai mis ma main dans une poche, j'ai tiré sans chez quelqu'un là-bas. Donc je dois les payer. Maintenant, chacun existe. À moi, c'est à moi, c'est à moi que je fais. Quand les Khadomer Oti Gazal, chacun il prétend que c'est à lui que je l'ai volé. Alors, même principe, manière que Zéla Benem, on me sélec, je pose la Xéla entre eux, je pose le vol, l'argent volé, je le mets entre deux, et qu'ils se débrouillent entre eux. En réalité, on ne fait pas ça du tout, ça ne va pas, mais on va donner l'argent au Bedin, et le Bedin va éclaircir, et s'il n'éclaircit pas, il garde jusqu'à ce qu'il vienne, et nous résoudre tous nos sophèques, tous nos sricotes. Divra Bitterfon, tel Rabbi Bitterfon, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit non, Enzo Drech Mutiatomi Davera, ce n'est pas là, comme ça que tu vas t'acquitter de ton devoir de rendre, t'as une avéra à surmonter, t'as volé, tu dois réparer, tu ne l'acquittes pas comme ça en mettant entre eux, mais quoi? Ah, chez vous allez l'école de Khad, puisque qui va payer le prix de la Xéla à chacun dans chacune d'entre elles, de ces 5 personnes, d'accord? Il devrait nécessairement payer 5 fois le vol, si personne ne reconnaît que c'est lui, c'est-à-dire, si on ne réussit pas à éclaircir, c'est qui réellement? Donc, tu devras payer dans le doute à chacun d'entre eux. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.